Donc, je me présente, Ariel Mohamed Cherif, je suis ingénieur spécialisé pour la recherche de l'Algérie. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une introduction en base, donc ça va englober tout ce que représente l'open source hardware. On va voir autre chose parce que l'Arduino fait partie de l'open source hardware. Et puis, une très petite présentation, c'est deux slides seulement, pour montrer notre travail, donc l'open source Algérie, l'open hardware Algérie. Après ça, on va revenir au sujet. Donc, il y aura un peu d'historique et une présentation des cas d'Arduino. Alors, pour commencer, c'est quoi l'open source hardware? L'open source hardware, c'est comme l'open source. Donc, vous connaissez déjà des projets comme Linux. C'est le bord flambeau de l'open source software. L'open source hardware, quant à lui, c'est le matériel libre. Donc, c'est des équipements qui sont tangibles. Ça veut dire qu'ils existent dans le monde réel. C'est pas le virtuel. Parce que, on peut dire que le système d'exploitation fait tourner un ordinateur. Mais en général, c'est des lignes de code qui peuvent être hébergées quelque part. Donc, c'est du virtuel. Dans les plans sont publics. Donc, les concepteurs, dès le départ, imaginent le projet comme étant quelque chose à donner aux autres. Mais c'est pas donné seulement pour donner. C'est donné pour partager, pour avoir un feedback, ou bien une amélioration. Donc, il faut bien se mettre ça en mieux. Parce que la majorité des gens n'imaginent pas que donner quelque chose, c'est perdre, c'est le perdre. Non, le savoir ne se perd pas. Le savoir se perd, c'est on le garde. Donc, il faut partager. Pour que tout le monde puisse l'étudier, fabriquer, modifier, améliorer et le distribuer. Donc, les composants de tout système open source hardware doivent être facilement approvisionnables. Donc, il faut éviter tout ce qui est système très complexe ou bien trop onéreux ou bien très spécifique. Donc, on va essayer de trouver les composants dans tout le monde, que ce soit, je sais pas, aux États-Unis ou bien au Nigeria, puisse fabriquer le même système. Donc, les procédés de fabrication doivent être standards, donc simple de réalisation. Le contenu doit être libre de droit. Ce qu'on dit, la notion de libre de droit, bon, c'est un peu une notion légale, mais tout simplement, la personne donne son savoir, donc sa propriété intellectuelle, mais avec une contrepartie. La contrepartie, c'est que la personne qui va faire la modification ou bien faire n'importe quelle amélioration ou revente, elle doit citer la première personne. Bon, c'est pas vraiment disponible dans toutes les licences, mais la licence la plus majoritaire, c'est qu'on doit citer la première personne pour lui attribuer ce, si on peut dire, le mérite du début du projet. Donc, le dernier point, bon, je l'ai cité, mais c'est un peu complexe. Donc, l'utilisation pour le design des équipements d'outils open source. C'est pas vraiment la joie. Non, parce que ce soit pour la partie électronique, bon, actuellement, la partie électronique, il y a pas mal de projets qui se lancent pour la fabrication de composants ou bien de cartes électroniques en open source. Mais, le mot hardware ne veut pas dire seulement électronique. Hardware, c'est ce qui est tangible. Donc, ça peut être de la mécanique. Il y a des projets en open source, par exemple, voiture électrique. Ça englobe de l'électricité, de la mécanique, de l'électronique, l'ensemble. Donc, faire une voiture électrique, par exemple, avec des matériaux, avec des outils open source, c'est pas encore à l'ordre du jour. Je vais faire un peu d'autres promos. Donc, qui sommes-nous, l'Open Hardware Algérie? C'est un collectif de personnes. En général, nous sommes pour la majorité des ingénieurs, mais il y a aussi des étudiants qui sont mondes d'informatique, d'électronique, de hardware et de technologie. Donc, on s'est lancé comme objectif tout simplement la promotion de l'open source hardware en Algérie. Parce que ce qu'il y a actuellement, il y a beaucoup d'initiatives qui se créent au niveau des clubs, que ce soit à l'université, ou bien à d'autres universités, Oran, Constantine. La majorité des clubs travaillent
travaillent, surtout les clubs d'informatique, travaillent sur tout ce qui est open source, software. Donc, actuellement, on a vu que, en Algérie, il n'y avait pas vraiment, le domaine était assez, était vierge concernant le hardware. Donc, on a essayé de s'y ouvrir. Et on pouvait, donc, on existe depuis 2013. Donc, je vais faire un petit sondage. Est-ce que quelqu'un connaît déjà l'open source, l'open hardware? Le terme. C'est pas gagné. Donc, on va se présenter, hein. Donc, on est, le fait d'être un collectif, actuellement, on se trouve seulement, on parle de hardware, mais on se trouve actuellement seulement dans le virtuel. Donc, on a notre page sur Facebook. Donc, c'est là qu'on expose nos travaux. Donc, les projets, bien des tutoriels, bien des événements auxquels on assiste ou on participe, comme celui-là. Donc, souriez, c'est enregistré. Donc, il y a aussi notre groupe. Vous êtes cordialement invités à le rejoindre. Donc, le groupe, tout le monde peut partager, tout le monde peut faire demander, poser des questions. Vous pouvez nous poser directement une question directement sur notre groupe, sur notre page. Mais sur le groupe, vous pouvez partager vos propres vidéos. Et si vous voulez, par exemple, adhérer au collectif, il n'y a aucun problème. Il suffit seulement de vous demander. Et on a aussi notre chaîne sur YouTube. Voilà. Je suis fier de ça là. On a plus de 120 vidéos qui sont qui tournent actuellement, entre tutoriaux, présentation de matériel et événements. Donc, il y a de quoi faire. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, pour un titre historique, on a Big Bang. Donc, l'invention du microprocesseur par Intel dans les années 70 a représenté un véritable innovation. Les processus de traitement de l'information. Donc, tout a été compressé. Donc, c'était l'avènement de la micro-informatique qui va donner plus tard le PC, l'ordinateur personnel, qu'on utilise quotidiennement actuellement. Mais, ça n'a pas touché seulement la partie informatique. Ça a touché aussi la partie électronique, ou bien l'automatisation industrielle. Par l'avènement du microcontrôleur. Donc, c'est quoi un microcontrôleur? Quelle est la différence entre un microcontrôleur et un CPU, donc un microprocesseur? Le microprocesseur, il est boosté, mais il est fait pour communiquer avec des interfaces. Donc, par exemple, la souris, sa petite télécommande, il ne peut pas fonctionner tout seul. Le microcontrôleur, non. Tous ses composants, ou bien ses interfaces, sont à l'intérieur. Par exemple, la mémoire. Le microprocesseur, il a besoin d'une mémoire externe. Le microcontrôleur, elle est déjà fournie à l'intérieur. Donc, ça, c'est le principal avantage. Il est plus compact. Il est moins puissant, pour dire les choses. Quoique, actuellement, avec les data RAM, on arrive à certains, à des puissances assez relatives. Mais il est moins puissant. Mais il est très très pratique. Le projet d'Arduino a été pensé par ses créateurs. Bon, pour les créateurs, c'est des professeurs et des étudiants d'un institut de design d'interaction Livrea en Italie. En 2005, ils ont imaginé, premièrement, ils ont trouvé que le software ou bien les propositions ou bien les outils fournis par les propriétaires, donc les composants propriétaires, était trop complexe à utiliser parce que ils font du design, ils font pas d'électronique, donc c'est compliqué pour eux d'attaquer directement avec des outils pour programmer des pics ou bien quelque chose comme ça. C'est trop cher, ce qui est le cas hein, en Algérie. En Algérie, le microcontrôleur PIC il est abordable, mais pour avoir une carte pour utiliser convenablement, ça coûte assez cher pour un étudiant. J'étais étudiant, je sais ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Bon, on va premièrement montrer l'équipe. Ça, c'est l'équipe qui a créé Arduino, ça c'est en 2005. Bon. Le plus connu, c'est celui-là. Voilà, c'est Robin Zit, c'est lui qui anime la chaîne YouTube d'Arduino. Donc, c'est actuellement, c'est quasiment le porte-parole de l'Arduino.
Arduino bien Genuino, bon, on en a parlé tout à l'heure concernant Arduino et Genuino, c'est réglé. Arduino et Genuino, c'est la même chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu créer une carte qui soit simple de réalisation, pour qu'elle soit simple à reproduire. Je signale bien, simple de réalisation et simple à reproduire. Ils n'ont pas voulu seulement créer un outil pour eux, pour le plan créé à leur institut. Non. Ils fournissent les plans, ils fournissent les schémas, ils fournissent tout. N'importe qui peut la réaliser. Il peut la réaliser directement sur le laboratoire, par exemple. Ou bien refaire, ou bien créer sa propre carte, la refaire à la maison. Pas nécessaire que ce soit créé ce format. Ça, c'est un format compact industriel, mais elle peut s'étendre, mais le plus important, c'est qu'elle fonctionne. Donc, simple, qu'elle soit simple utilisation pour le branchement et la programmation, on y arrivera un peu plus tard, qu'elle soit extensible et modulable. Qu'est-ce que ça veut dire, extensible et modulable? La carte de Arduino en elle-même, elle ne fournit rien quasiment. Il y a... La carte Arduino, elle a... Non, on va le voir aussi. Mais elle a le microcontrôleur, quasiment rien. Ça part de connexion USB. Donc, permettre l'extensibilité de la carte, c'est fait en utilisant d'autres moyens, qu'on verra un peu plus tard, qui sont les chips. Et puis, c'est la téléphone. Qu'elle soit pas chère. Donc, la pochette qui se sent fixée, c'est entre 20 et 30 euros. En Algérie, actuellement, on peut trouver un Arduino Uno à partir de 2000 dinars. C'est pas cher. Là, allez, on se voit. Alors, je vais me répéter un peu, mais que fait un Arduino? L'Arduino permet l'interfaçage du monde physique et la commande du monde physique. Donc, l'interfaçage de tout ce qui est capteur, donc température, humidité, pression, luminosité. Ça, c'est des entrées que va prendre la Arduino. Et puis, elle va les utiliser, suivant le programme qu'on lui a donné, pour interagir avec le monde réel, donc le monde physique, avec tout ce qui est actionneur, moteur, servomoteur, VRA, toute une panoplie d'équipements, afficheur LCD, par exemple. Donc, ça, c'est la fonction principale de la Arduino. Alors maintenant, découvrir la Arduino. Ah, on va commencer. Voilà. Alors, le composant principal de l'Arduino, c'est son microcontrôleur. Donc, c'est un Mathmaker 328B. Je vais donner quelques chiffres techniques, je suis désolé. Mais il faut y passer. Parce qu'il faut bien parler des limitations de ce microcontrôleur. Par exemple, vous n'avez que 32 kilos. Kilo-octets de mémoire flash. Donc, votre code ne pourra pas dépasser ça. Voilà. Vous avez seulement 2 kilos de SRAM. Donc, le fonctionnement, il faut le prendre en considération. Et vous avez qu'un seul kilo d'espace de l'écran, ça veut dire une mémoire permanente. Qu'on dépasse avec électrique. Donc, il faut effacer électriquement avant de pouvoir réécrire. Mais il faut faire attention parce que cette mémoire peut être écrite et réécrite seulement 100 000 fois. C'est une denrée rare, la mémoire pour l'Arduino. Donc, ça c'est pour le cas de l'Arduino Uno. Parce que, quand je vous ai parlé, on verra plus tard, il y a pas mal d'autres cartes, mais l'Arduino Uno, c'est la base. C'est la moins chère, la plus utilisée, et la meilleure plus adapté pour une initiation. Après, on va attaquer des cartes plus complexes. Je vous montrerai plus tard une carte un peu plus évoluée que l'Arduino. Comme je vous dis, l'Arduino dispose d'une connectique. Une connectique USB qui a deux fonctions. La première, c'est le transfert de données, que ce soit pour programmer la carte ou bien pour acquérir et transférer des données vers un PC, donc c'est une interface avec un PC. Et aussi, elle permet l'alimentation avec l'alimentation synchrone. Mais la principale alimentation, elle n'est pas, on
sauf si votre programme doit être déporté, donc utilisé quelque part loin d'un autre adresse. Alors, celle-là, elle permet une tension entre 7 et 20 volts. Pour mieux rester dans cette fourchette. Mais le mieux, c'est d'utiliser directement une pile à volts. C'est assez simple à utiliser. On évite tous les problèmes. Attaquons maintenant la partie la plus intéressante. Comme je vous ai dit, on acquiert des données via des capteurs pour les traiter, les redonner. Donc, là, on a les entrées analogiques de la carte. Ils sont en nombre de 6. Numéroté, comme vous pouvez le voir, de 0 à 5. Donc, ces entrées permettent l'acquisition de valeurs continues. Parce que, comme vous le savez, la nature, ou bien le monde physique, est continu. Il n'est pas discret. Donc, la température, c'est une valeur qui évolue de façon continue. Donc, il faut avoir un moyen de capter cette information. Donc, la carte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attirer ces données et nous donner une correspondance par rapport à ces données entrées qui sont continues entre 0 et 1024. Et cette valeur, on peut l'utiliser dans notre programme. Parce que c'est plus simple de travailler avec quelque chose qui soit quantifiable pour la performance. On ne peut pas dire 3,5555555. Ça ne serait pas pour l'électronique. L'autre partie, c'est les entrées qu'on nomme les entrées numériques. Là, elles acceptent soit des entrées d'or, donc tout ou rien, ou bien elles peuvent être utilisées en entrée-sortie, ça c'est un avantage. Elles peuvent être utilisées pour acquérir des données d'or, tout ou rien, c'est-à-dire, par exemple, quand j'appuie sur un bouton, c'est tout ou rien. Il y a le courant, il n'y a pas le courant. Soit, il y a par exemple, c'est... Alors, je me prends toujours le bouton. Je m'en excuse. Il y a ces deux piles qui sont XRX, qui permettent le transfert de données. Transfert de données entre cartes, ou bien avec un ordinateur, ou bien avec une autre carte qui évolue. Donc, un flux de données. Ils sont au nombre de 14, numérotés de 0 à 13, avec la possibilité d'utiliser 6 d'entre eux comme étant ce qu'on pourrait dire des sorties analogiques. Parce que c'est pas vraiment analogique, c'est assez discret, mais on peut dire que c'est quasiment de l'analogie. Ces sorties sont la sortie numéro 3, la 5, la 6, la 9, la 10 et la 11. On les appelle PWM, donc il faut aller un peu plus loin en électronique. On laissera ça plus tard. PWM. Donc, ça permet par exemple de commander des moteurs. On utilise généralement des PWM pour commander des moteurs. Donc, elle dispose aussi d'un bouton reset qu'on peut utiliser en cas de problème. Mon programme ne marche pas, il a planté, il a bloqué. On peut réinitialiser la carte. Donc, on peut remettre le programme à zéro. Donc, ça c'est le bouton reset. Passons maintenant, après avoir vu la partie hardware, nous allons maintenant parler de la programmation. L'Arduino, ce programme avec un langage qui est pour du C. C'est pas vraiment du C, c'est pas du C++, c'est en fait. Donc, il est pour du C. Simple utilisation, vous le verrez. Je montrerai un exemple maintenant, mais pendant les workshops, on va vous expliquer comment lire le programme, comment l'utiliser. Vous verrez que c'est pas très compliqué à faire. Donc, il dispose aussi maintenant d'un nombre de librairies logicielles immenses, ce qui augmente le nombre de domaines dans lesquels on peut utiliser sa carte. En général, si vous avez un projet, vous voulez réaliser quelque chose, pensez premièrement à chercher si quelqu'un a déjà fait une librairie dessus.
ça vous évitera beaucoup de tracas et vous économisera beaucoup de temps. À quoi bon de réinventer la roue? Donc, il faut aller dès qu'on prend la librairie développée par Intel et l'utiliser. Ça simplifiera votre code, parce que la librairie va intégrer beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur. Ça simplifiera votre code et ça ne diminue pas la qualité de votre travail. Merci. Ok. Là, les deux composants principales d'un programme, il y a une section qu'on appelle la section setup, c'est une fonction setup, qui s'exécute seulement à la mise à zéro, donc à l'alimentation ou bien en cas de recette. En général, on met tout ce qui est initialisation. On va initialiser les lignes, par exemple. On va leur dire, est-ce que c'est une entrée, est-ce que c'est une sortie. Si on crée une liaison avec un ordinateur, on va initialiser la liaison Siri avec l'ordinateur. Donc, tout ça se fait au niveau du setup. La partie la plus importante dans laquelle on va mettre notre programme principal, c'est la partie loop, qui s'exécute indéfiniment. Bon, indéfiniment, c'est un terme très général, mais qui s'exécute en continu. Donc, ce petit synaptique montre, donc on va exécuter le setup, et puis on entre dans la boucle. Loop, c'est boucle en anglais. Donc, et puis, on reboucle indéfiniment, sauf on s'arrête. S'il y a soit coupure d'alimentation ou bien recette du programme. Nous allons maintenant voir l'IDE. Nous avons ici l'IDE de l'Arduino. Nous avons, comme vous pouvez le voir, dès notre page de l'IDE, on a la partie setup. Donc, mettez votre configuration ici, elle sera utilisée plus de fois. Et là, c'est la partie loop. Donc, la boucle qui va s'exécuter infiniment. Voilà. On va ouvrir un exemple. Bon, il est à signaler par exemple la partie outil. Là, on peut choisir le type de carte qu'on utilise. Ça, c'est à signaler, ça, c'est... Et là, on utilise, alors, on va signaler le port de communication par lequel on a connecté notre carte. Donc, vous allez voir ça dans les workshops. Elle est automatiquement détectée, que ce soit par Windows ou bien par Linux. Dès que vous branchez, vous aurez l'information ici. Votre carte, par exemple, Arduino, est branchée sur COM 1 ou bien. Donc, ce sera COM 2, 8, ça dépend. On va aller voir un exemple. Ce qu'on appelle le Hello World. Hello World, c'est l'exemple de base du langage C. Même Arduino a son Hello World. Ce code est assez simple, il fait clignoter une lettre. Bon, cette lettre se trouve à l'intérieur de la carte, donc elle est connectée directement à la pin 13. Donc, en général, elle vient ce programme et l'uploader directement dans la carte. C'est un test. On fait un test pour savoir que notre carte est opérationnelle. Alors, la partie setup, comme je vous ai dit, on fait l'initialisation. Là, je dis pin mode. Je choisis le mode de fonctionnement de ma pin. Parce que, comme je vous ai dit, la pin numéro 13 se trouve dans les sorties. Voilà, entrée sortie numérique. Donc, il faut bien spécifier est-ce que j'utilise en entrée ou bien en sortie. Dans ce cas, output. Donc, automatiquement, c'est une sortie. Je spécifie le nom, donc c'est la pin numéro 13. Dans la partie boucle, qu'est-ce qu'on a? Digital override. Parce que je dois avoir analog override. Analog override, c'est une sortie analogique. Là, digital, ça veut dire une sortie numérique. Ça veut dire quoi? Je donne 0 ou bien 5 volts. C'est aussi simple que ça. Tout pour rien. Donc, digital override. Là, le pin numéro 13. A high, c'est un raccourci, c'est ce que je veux dire. C'est un raccourci dans le langage. High, ça veut dire 1. Tout simplement. Et low, ça veut dire 0. En langage informatique, le 0 et le 1, ça veut dire 5. Le 1, c'est 5 volts. 0, c'est 0 volts. Par exemple, là, on fait un petit delay, ça veut dire une petite attente. On va arrêter le programme, arrêter la carte pendant la valeur, c'est 1 seconde, 1000 millisecondes. Donc, 1 seconde. Le programme va s'arrêter pendant cette période. Et puis, il va éteindre la lettre.
la LED pendant encore une seconde, et puis elle va remonter. Donc, après, c'est simple de compiler. On a ce bouton qui permet la vérification selon norme généralement pour la partie programmation, comme la compilation. On vérifie que notre code n'a pas d'erreur. Et le deuxième bouton, là actuellement on n'a pas de carte connectée, mais si on a une carte connectée, il y aura la téléversation. Ça veut dire qu'on va transférer notre code depuis l'éditeur vers la carte pour être utilisé. Merci. Donc on a vu la partie IDE. L'Arduino, le projet en elle-même, il est composé de deux parties, la partie hardware et la partie software, on a déjà vu ça. Mais l'Arduino, c'est pas seulement l'Arduino Uno, c'est toute une famille de cartes. Donc l'Arduino est ici, la Leonardo, la Douai par exemple, ça c'est l'Arduino Uno qui est utilisé dans un domaine qui est actuellement à la mode, Internet des objets, Internet of Things, parce qu'elle fournit directement dans la carte une connectique Ethernet et une connectique Wi-Fi. Et en plus, elle intègre un système d'exploitation qui s'appelle Linux, qui est un système Linux adapté pour l'Arduino Uno. Donc, il y a aussi la Nano et la MIDI, c'est des cartes qui sont très petites. J'ai rapporté quelques exemples, donc faites tourner. Ça, c'est la carte Gen Uno Micro. 4,8 grammes avec la puissance d'un Arduino. Voilà. Et ça, c'est la famille Arduino, ce qu'on pourrait appeler la famille Arduino originale. Donc, ça, c'est les concepteurs du projet qui ont créé toutes ces cartes. Mais le fait d'avoir un projet en open source ouvre la porte à ce que quelqu'un d'autre crée une carte similaire ou bien plus évoluée. Par exemple, on appelle cette famille des Arduino-like. Ça ressemble à l'Arduino. Ah, ça a la forme d'une Arduino, et c'est pas une Arduino. J'ai là un exemple de carte. Voilà. Quand vous pouvez, je vais la faire passer. Ça, c'est une Freeduino. Donc, c'est développé par FreeClass. Donc, au Japon. Ça, c'est développé au Japon. C'est une Arduino, la même connectique qu'une Arduino Uno, quasiment la même puissance. Quasiment la même puissance, mais avec une extension radio. L'extension, c'est pas du Wi-Fi, hein. C'est un protocole développé par Vigla. Par un ami qui s'appelle Vigla. Donc, ça permet de faire des transferts de données sur des distances allant jusqu'à 1000 mètres. Donc, on peut mettre en place un réseau sans fil avec ce type de carte. Et ça se programme avec comme une Arduino. L'autre possibilité fournie par le projet, c'est l'utilisation de Chine. Comme je vous ai montré tout à l'heure, l'Arduino, en elle-même, elle n'a rien d'exceptionnel. Donc c'est un microcontrôleur qu'on connecte directement et qu'on programme. Mais si on veut augmenter les possibilités qu'offre la carte, il y a la possibilité d'utiliser des chips. Les chips se pluguent directement sur les pins de l'Arduino. Ça, en bas, c'est le Genuino 101. Et là, j'ai un chip gros. Le chip gros permet de connecter plus facilement les capteurs et les actionneurs. C'est un peu plus pratique à utiliser pour faire du prototypage. Comme vous pouvez le voir, c'est compact, il n'y a pas de mouvement mécanique, donc ça facilite grandement l'utilisation. Donc, il y a d'autres chips, par exemple ici, j'ai un chip Ethernet. Avec ça, l'Arduino peut jouer le rôle d'un serveur de données, par exemple. Ici, il y a un afficheur LCD, qui se plug directement, et je peux l'utiliser pour afficher des données ou la data d'une variable. Il y a aussi celui-là. Ah,
C'est un chip GPRS. Donc, comme vous pouvez voir à l'arrière, il y a une puce téléphonique, mobilise, pas publicité. Donc, avec celui-là, on peut soit faire quelque chose de basique, donc faire un appel téléphonique, mais l'avantage, c'est d'utiliser le GPRS pour envoyer des données directement sur Internet. Internet of Things, par exemple. Envoyer des données ou bien recevoir un ordre. Donc, ça c'est possible. Alors, avec tout ça, il faut bien se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre vie? Sûrement, on va faire une autre idée. Parce que la majorité des gens pensent qu'à ça. Donc, pour cela, je vais vous parler de deux domaines qui, à mon avis, ont connu une explosion dans le domaine de l'innovation, mais je pense que c'est à cause de la Rubino, ou bien à cause des projets open source. Le premier domaine, c'est l'impression 3D. L'impression 3D est une technologie qui existe depuis 30 ans. Actuellement, on parle d'impression 3D. Ça existe depuis 30 ans dans le domaine de la fabrication de pointe. Ça coûtait cher, les machines étaient énormes, et compliquées à utiliser. Avec l'avènement de l'Arduino, parce que l'Arduino date, le projet date de 2005. La même année, il y a une équipe qui a pensé à une imprimante 3D qui soit autorépliquante et simple d'utilisation et de montage. C'est la famille d'imprimantes RIPA. Donc, ça, c'est la USA P3. Et ça, c'est la DELTA. Donc, cette évolution, elles utilisent toutes les deux, soit des Arduino ou bien une des cartes similaires pour leur fonctionnement, avec des microcontrôleurs. Donc, cette évolution, qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis l'émergence de toute une famille d'imprimantes, simple d'utilisation, un peu compliqué à monter, mais simple d'utilisation. J'ai fait la même expérience. Je pensais qu'il fallait seulement 3 heures, ça m'a pris 3 jours pour monter une verre. Mais au final, ça marche. Donc, pour assurer. Donc, simple utilisation, et ça a donné la naissance à un mouvement que vous pourrez appeler « Do it yourself ». Donc, fais-le toi-même. Tu veux créer une pièce, imagine, dessine, transfère sur directement sur la carte et imprime en 3D. Donc ça, c'est des imprimantes qui font utiliser du plastique fondu pour créer les formes. L'autre domaine, je ne suis pas assez clair de ça, donc c'est la robotique. Je vous ai donné un petit QR code ici, vous pouvez le copier. C'est le QR code de la chaîne d'Anami qui est... son pseudo, c'est l'autre fille, les diamants. Donc, il a créé un robot qu'il a nommé Hachara. Vous verrez pourquoi il a nommé Hachara. Donc, 100% algérien. Il est imprimé ici, avec une imprimante 3D. Et tout ce qui est commandé, il est commandé avec une Arduino. Donc, tous les simples moteurs qu'il utilise. Je vais vous montrer la vidéo. Sincèrement, je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'il a d'autres projets. Par exemple,
exemple, il a une mare d'eau vide. Il peut en délaisser avec une mare d'eau. Et là, actuellement, il travaille sur un autre projet, un peu plus complexe. Il a quelques difficultés pour le réaliser. Mais prochainement, il sera... Nous partageons fréquemment les vidéos de l'OCI sur notre page ou bien sur notre groupe. Avec un peu de volonté, on peut faire avec une arme de Merci pour votre attention.